et nous sommes tous pêcheurs dans notre famille. André nous connaît bien. Mais moi, je suis allé étudier loin d'ici. C'était peut-être tout ce dont tu étais capable. Et qu'as-tu appris? Oh, que 2 et 2 font 4. Quelquefois. Et que la plupart des gens ont l'air d'avoir besoin d'être poussés. Que l'existence est une belle chose. Que la naissance est le commencement de la mort. Mais il doit y avoir quelque chose de plus dans ce vide, entre mort et naissance. Ce matin, quand je t'ai entendu prêcher, j'ai commencé à comprendre. Et cela m'a donné espoir. À travers tes paroles, les anciennes écritures semblent prendre vie. C'est cela que nous voulons. Nous voulons que la loi soit vivante. Qu'elle soit écrite dans notre cœur. Et pas gravée dans la pierre. Quel est ton nom? Jean. Fils de Zébédée. Jean. Reste avec nous. Arrière! Écartez-vous! Écartez-vous, espèce d'idiot! Vous ne pouvez pas regarder où vous allez! C'est mon frère, Simon-Pierre. Et l'autre, c'est mon frère, Jacques. Quand on ne sait pas tenir sa barque, on est en train de hurler, en rage, comme toujours. Si quelqu'un abuse, c'est toi! Réponds! Il ne pense pas ce qu'il dit, il est très brave. Eh bien, que se passe-t-il, mon frère? Le poisson est rare? Plutôt, oui. Pas un seul. La seule chose qu'on attrape de ce temps-ci, c'est les taxes des Romains. Pendant qu'on sue à travailler, qu'on se met les mains en sang avec les filets, ce pourri de collecteur d'impôts en prend la moitié pour lui et donne l'autre aux Romains. Les sangsues. Va, mon frère. Va dire à cet étrangleur, cet hypocrite de malheur, notre collecteur, que s'il veut me tirer encore de l'argent, il faut qu'il mette du poisson dans le lac. Simon, c'est l'homme dont je t'ai parlé. L'homme dont parlait Jean. Jean le Baptiste. Quoi? Encore un saint homme, hein? Encore un de ceux qui nous disent d'être patients. Ils nous promettent que des temps meilleurs vont arriver. Mais pour maintenant, que deviendront nos enfants? Qui remplira leur ventre creux? On parle beaucoup ces temps-ci, pendant que nous crevons de faim. Trouvez-moi un saint homme qui peut mettre un terme à ça. Alors peut-être que j'écouterai. Retourne au large. J'irai avec toi. On vient juste d'abandonner. Sors le filet du bateau. Je t'en prie, Simon, fais ce qu'il dit. Pourquoi écoutes-tu tout le temps les gens comme lui? Qui connaît le lac mieux que moi? Parle-lui. Je t'en prie. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu regardes? Bien. Tu pourras prêcher pour les poissons. Largue tout, nous sortons. Thank you.
un miracle. C'est pas un miracle. Dieu seul peut faire des miracles. Mais si, c'est un miracle, regarde. Ils parlent comme des blasphémateurs. Ils croient cet homme. Eh bien, on va y aller et lui parler, nous aussi. Jamais on n'avait vu une